Donc voilà, aujourd'hui dans Comment ça sonne, on va tester un accessoire guitare, donc l'accordeur Korg AW2. Donc un accordeur qui se pince sur le manche de sa guitare, ou alors sur un instrument avant, sur le pavillon devant. Voilà, donc on a plusieurs modes sur ce petit accordeur. Donc on a un mode micro ou piezo. Le mode piezo donc, va pouvoir capter les vibrations du manche, et le mode micro, comme un accordeur classique, capter le son de la guitare. On va trouver aussi un mode de light qui va permettre donc de passer pas éclairé, éclairé un peu et éclairé plus fortement. Voilà. Donc on a ces trois modes d'éclairage. On trouve aussi la calibration de la fréquence, donc pour s'adapter aux différents instruments. Et puis on a le switch pour éteindre ou allumer l'accordeur, plus la pince et donc la tête qui peut pivoter dans différents axes, différents sens. On peut le mettre un petit peu dans tous les sens. Donc ça, c'est relativement pratique. Donc ce Korg est relativement, même très performant, pour rester toujours accordé à la maison ou en studio. Il sera vraiment très bien, sur scène aussi, si on ne change pas de guitare. Mais bon, sur scène, il vaudra mieux privilégier un accordeur dans le pedalboard. Ce sera toujours plus sûr. Mais en tout cas, avec ce Korg AW2, on va pouvoir avoir quelque chose de discret, de petit et de très fiable, puisqu'on capte la résonance de la corde sur le manche, et donc d'arriver à un accordage très facile et très sûr. Voilà, donc il est de très très bonne qualité. Pour le prix, on doit commencer aux alentours de 30 euros. On le trouve généralement à 39 euros, 42 euros en magasin. Voilà, donc il existe d'autres couleurs chez Korg maintenant. Et puis là, Korg vient de sortir récemment des nouveaux accordeurs comme ça, avec une pince un petit peu plus épaisse, de différentes couleurs. Je vous mettrai les liens sur le site et le blog Comment ça sonne. Donc voilà, un petit accessoire à avoir toujours avec soi, le Korg AW2, pour rester donc toujours accordé. Voilà, c'était Comment ça sonne sur le Korg AW2, donc l'accordeur pince.